Un conte d'hiver, partie 1. Bonjour, Puck. Oh ? Hé ! Puck ! Regarde ! Il neige ! Maman, papa ! Il neige ! Il neige, il neige ! Allez ! Je veux sortir ! Tu peux me dire à quoi ça sert qu'il neige si on peut pas jouer dehors? Maman! Papa! Zou, qu'est-ce qu'il y a? Il neige, il neige! Et je ne peux pas ouvrir la porte! Oh, mais elle est fermée à clé, Zou! Voilà, tu vois? Zou, à mon avis, tu ferais mieux de construire ton bonhomme de neige à l'extérieur de la maison. Mais... Ce n'est pas moi, j'ai rien. Ce n'est pas un bonhomme de neige, c'est moi. Je ne peux pas jouer dehors, Puck. Pas avant qu'on ait dégagé la neige de la porte. Vite, regardez dehors, il a neigé. Oui, on sait, Nanou. C'est génial, non? Oh oui, j'adore la neige. Ça tombe bien, ça rendra la fête de l'hiver beaucoup plus hivernale. Oh, j'aime tellement quand on célèbre la fête de l'hiver. Oh, la fête de l'hiver, c'est vrai, j'avais oublié. Oh, c'est formidable. Mais les gens ne pourront peut-être pas tous venir au parc avec cette couche de neige. Oh, tu vas faire des croque-madame pour tout le monde. Tout à l'heure, peut-être, mais d'abord, je vais nous creuser un passage pour sortir. Avec ma poêle à frire. Zou et moi, il faut qu'on aille dans le garage. Ah bon, papy? Pourquoi? Aide-moi à déblayer cette neige et je te montrerai. Oh, je vais te dire, Zou. Oh, je suis certain que c'est comme ça que vivent les explorateurs polaires. Oh. Oui, tu imagines si on était coincé dans la neige en plein milieu du pôle Nord. Oh, on aurait peut-être mieux fait de rester au camp de base par ce temps. Ah, si ça se trouve, il y a des ours polaires qui se cachent dans le coin. C'est rien, Puck. On fait juste semblant, papy et moi. Ah. Tu as encore ta déblayeuse manuelle, Zou l'explorateur? Et une déblayeuse manuelle, une, Zou l'explorateur, paré à déblayer, chef. À tes ordres, papy. Encore quelques petits efforts et nous n'en aurons plus besoin, Zou. La neige ne va pas fondre, au moins. Non, ça m'étonnerait. Alors, pourquoi on n'aura plus besoin de nos déblayeuses? Tu vas voir, Zou, tu vas voir. Alors, réfléchissons. Où ai-je bien pu mettre la tondeuse? Ah, la voilà. Et maintenant, il nous faut la petite voiture qu'on a fabriquée tous les deux l'été dernier. Bravo, Puck, tu l'as trouvée. Pauvre Puck. Et enfin, il nous faudra une ou deux plaques de tôle. Je crois que j'en ai quelque part. Hein? Voyons. Waouh! Bravo, papy! C'est vraiment génial! Ah, bah ça alors! Coucou, papa! Alors, ça, c'est ce que j'appelle une invention. Qu'est-ce que tu penses de notre chasse-neige, papa? Il est extraordinaire. Bravo à tous les deux. On aura vite fait de déblayer la neige avec ce superbe engin. Attention, déblayage de l'année, vitesse turbo. Zou! Oh, hein? Oh, Zou! Où avez-vous trouvé ce chasse-neige? C'est papy et moi qui l'avons fait. C'est une bécane d'enfer. Une bécane d'enfer qui fait un boucan d'enfer. Vous viendrez chez moi quand vous aurez fini? On est bloqués. T'as entendu, papy?
Elsie a besoin de notre aide. On arrive tout de suite. Nous ne pouvions pas sortir, Elsie. On a dû creuser pour quitter la maison et puis papy a eu une idée de génie. On a construit un chasse-neige tous les deux et ensuite... Regardez-moi ça, comment cet adorable petit oiseau est-il entré? Ben, il est venu avec moi. Mais comment avez-vous donc fait pour entrer? Nous sommes bloqués par la neige depuis hier soir. Je vous présente Zygmunt et Zoroaster. Ce sont des amis à moi. Nous préparons un petit quelque chose pour la fête de l'hiver. Par le plus grand des hasards, n'auriez-vous pas un biscuit sur vous ou bien du lait? Qu'est-ce que je ne ferais pas pour une tasse de thé? J'étais assez occupée hier soir et je n'ai pas eu le temps d'aller chez Monsieur Zoé. Et quand je m'en suis souvenue... On était couverts de neige! Et donc on n'a plus ni pain ni lait. Et à moins de pouvoir sortir d'ici, nous ne pourrons pas préparer notre surprise pour la fête de l'hiver. Et nous aurons le ventre vide. Eh bien, vous pouvez sortir maintenant. Nous avons dégagé votre allée avec notre chasse-neige. Et nous pouvons faire les courses pour vous. Oh, voilà qui est merveilleux. Oh, merci mille fois. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans vous. Allez, Zo, il ne nous reste plus qu'à démarrer notre chasse-neige. Tu veux venir avec nous, Elsie? Oh oui, je veux bien. Youpi! Mais il te faut un casque. Je vais chercher mon casque de vélo. Prochain arrêt, le magasin de Monsieur Zoé. Youpi! À tout à l'heure. Et merci encore. À plus tard, maman. À tout à l'heure. Papy, Zo, où est-ce que vous allez maintenant? Chez Monsieur Zoé, maman. On va faire des commissions pour la maman d'Elsie. Dans ce cas, pourriez-vous faire des courses pour nous aussi? Mamie et moi, nous devons faire des gâteaux pour la fête de l'hiver. Mais malheureusement, il nous manque quelques ingrédients. Ne vous en faites pas, on va chercher ce que vous voulez. Attendez, je vais vous faire une liste. Bibi! Chaud de vin, chaud! Oh! Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour. Bonjour. Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise. Avec toute cette neige, je ne m'attendais pas à avoir des clients aujourd'hui. Oui, mais nous, on a un chasse-neige. C'est Papy et moi qui l'avons fait et on peut aller partout avec. Voilà qui fait plaisir à entendre. C'est plutôt calme ce matin. Il n'y a que Zach et moi. Bonjour, Zo. Bonjour, Elsie. Hé, hey, Zach, viens voir notre chasse-neige. Oh, waouh, un chasse-neige. Alors, que puis-je faire pour... J'ai la liste, tenez. Oh, et la maman d'Elsie a besoin de pain et de lait. De la farine, oui, j'en ai. Et du beurre, voilà. Oh, hé, hey, Punk. Je ne crois pas que ces graines soient sur la liste. Oh, ben ça alors! Aucun client pendant des heures et tout le monde arrive en même temps. Eh oui, cela dit, je doute que vos autres clients soient aussi bien équipés que moi pour affronter l'hiver. Papa est allé au garage et j'y suis allée avec lui. Et les mécaniciens ont mis des grosses chaînes sur les roues pour empêcher notre voiture de glisser sur la neige. Oui, d'ailleurs, nous sommes sûrement les seuls en ville à pouvoir venir ici. On ne s'est pas trop mal débrouillé non plus. Oh, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Zo. On a mis des chaînes sur la voiture. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Xavier? Il nous faut juste du café pour le magasin. Eh bien, voilà. Mettez-le sur ma note, s'il vous plaît. Zignabella, viens, ma chérie. Maman va se demander où nous sommes passés. Au revoir, tout le monde. Au revoir, tonton Xavier. Au revoir. Voilà, je pense que c'est tout. Monsieur Zoé, Zach dit qu'il voudrait faire un tour sur notre chasse-neige. Il peut venir avec nous, s'il vous plaît? S'il te plaît, papa. Zo dit qu'on pourra jouer dans la neige quand on sera chez lui. J'ai aucune raison de m'y opposer, Zach. Alors va vite chercher ton manteau pendant que je finis d'emballer ces provisions. Oh, youpi! Waouh! Un chasse-neige! C'est la première fois que je monte sur ce genre de machine. Waouh! Où est-il? Il a disparu. Papy, où
est-ce que le chasse-neige a bien pu passer? Je ne sais pas, mais dès qu'on aura fait cette petite livraison, on pourra le découvrir.